quelque chose à Louis demander. Labrocante fut l'un de ses derniers rôles. Pendant plus de 15 ans sur notre antenne, Victor Lanoux a interprété ce brocanteur, détective amateur, un personnage au cœur tendre, un peu bourru, qu'il comparait à Superman. C'est quelqu'un qui va être là au moment où on a besoin de lui. Bon, le vrai Superman, c'est à une très très grande échelle, bien entendu, et moi, c'est à l'échelle d'un... à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde rural, mais également à l'échelle des problèmes des uns et des autres. Et je trouve ça intéressant, c'est un personnage rassurant et qui donne de l'optimisme, quoi. Victor Lanoux commence sa carrière d'acteur au cabaret avec Pierre Richard en 1961, puis au théâtre sur la scène du TNP dans des rôles classiques. Ensuite, dans ses propres pièces, le tourniquet voisin-voisine avec Marie-Josée Nat. Au cinéma, il enchaîne les rôles. Adieu poulet de Pierre Granier de Fer aux côtés de Lino Ventura. Ou encore Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert. Trouvez-moi un pont, les mecs, que je me balance. Bon, écoute, allez, ça va comme ça. À l'image de Louis Labrocante, Victor Lanoux laissera le souvenir d'un acteur tendre et sensible et un peu bougon. Salut, à plus.